Good morgen, allez, Iden, les tueurs aujourd'hui, le Nishmat Machlouf, Micha Ben Masoudan, Nachman Yosef Ben Achum, Avram Chenour, Ben Fortuné, Mazal Dov, Ben Yudit, Nissan Ben Mafret. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Micha, contactez la 5 minutes éternelle. Nous étudions aujourd'hui Masechet Midot, Perek Aleph, Mishna Bet. Isha Rabbaït, Aya Mechazer, Alkol, Mishmar ou Mishmar, Vavukot, Dolkin, Lefanav, Vechol, Mishmar, Chenoromed, Omerlo, Isha Rabbaït, Shalom Alecha. Nikar, Shehu Yashen. Chovto bemakelo, Roshut ayalo lisrof et ksuto. Vehem omrim, ma kol ba'azara, kol ben levi loke u b'galav nisrafim, sheyashen lo al mishmaro. Rabbi Elazar ben Yaakov omer pa'am achat, matz'u et achim ayashen, vesarfu et ksuto. On a expliqué dans la Mishnah précédente les 21 endroits où les Lévim montaient la garde, et aussi les 3 endroits où les Kohanim montaient la garde. Maintenant, il devait monter la garde essentiellement la nuit. Marloquette, est-ce que c'était aussi le jour? Monter la garde, vous imaginez bien qu'il faut que ce soit très sérieux. On monte la garde de manière très sérieuse. On ne s'endort pas, même si c'est la nuit. Et on est tout seul en pleine nuit et qu'il fait un peu frais. Eh bien, on continue à monter la garde. Si on s'endort, oy vavoy, comme ce qu'on va voir dans la Mishnah. Alors, la Mishnah nous enseigne. Ish harabait, un responsable sur le harabait. Donc, un responsable sur le harabait, sur tout le monde du temple. Aya mechazer al kol mishmar ou mishmar. Il partait faire le tour de toutes les gardes de Lévim pour voir s'ils sont bien, s'ils montent bien la garde à leur place. Vavukot dolkin lefanav. Il avait des torches qui partaient devant lui. Donc il marchait avec, il était escorté avec quelques jeunes Lévim ou Kohanim, je ne sais pas, qui avaient des torches dans les mains. Ils avançaient avec, ils allaient faire le tour de voir est-ce que les gardes, elles étaient bien montées. Mais kol mishmar sheno omed, et s'ils voyaient une garde où ils n'étaient pas, ils ne se tenaient pas debout à leur poste, au merlo, isharabait. Alors le responsable sur l'arabait lui disait, shalom alecha, salut, tout va bien. Donc il se reprenait et il allait, il se remettait à sa place. Nikar chez Ouyachen, si toutefois il semble qu'il piquait un petit peu du nez, qu'il n'a pas fait attention, chovto bemakelo, il partait là, il s'approchait, il lui mettait un coup de bâton dans le, je ne sais pas où, dans le ventre, dans la tête, dans l'épaule, il le secouait un petit peu avec un coup de bâton. Il faisait mal. C'est un peu méchant, mais réellement, c'est comme ça. Il y avait toute une histoire, je me rappelle, dans un militaire, quand il y avait une fois un tekes, une cérémonie pour très importante en Israël, où il y avait, vous savez, là où il y a les beaux militaires très bien rasés qui présentent très bien. Mais il y en avait un que, par malheur, il a baillé. Ça a fait tout un scandale. Ça a été, il a été jeté en prison pendant 21 jours. Ou, ouais, on monte la garde, on monte la garde. On ne doit pas bailler, même si c'est malgré nous. Donc, on revient maintenant, c'est un peu le même principe, j'insiste, je vais rapporter l'exemple juste pour montrer comment, lorsqu'il faut monter la garde, il faut monter la garde avec classe, comme les soldats en Angleterre autour du palais royal, eh ben, ils ne sourient même pas, ils sont dressés, éduqués pour rester comme des momies avec leur, comme ça, tout droit, ouais, pardon. Et donc, s'il le trouvait, il voyait qu'il endormait, il lui mettait un petit coup de bâton. Il avait même le droit de lui brûler son vêtement. C'est-à-dire, s'il récidivait, il voyait, il le prenait, il arrachait son vêtement, alors je ne sais pas, est-ce qu'il le laissait en tricot derrière, ou je ne sais pas exactement quoi. C'est pas précisé, d'ailleurs j'ai été étonné. Utrétue-tête. Bon, en tout cas, le haut, apparemment il lui retirait. Et... Ah, il explique le Tifatizan, explique, parce que logiquement, s'il s'endormit, c'est qu'il a sorti un vêtement supérieur pour pouvoir un petit peu s'adoser. Donc ce vêtement-là, il le prenait et il le brûlait. Donc il avait le droit, même s'il fallait, de brûler son vêtement pour le réveiller. C'est nécessaire pour l'éducation, on a le droit de prendre un professeur, il a le droit de prendre aussi, de confisquer quelque chose, et même de le casser si c'est nécessaire, on ne lui demandera pas de payer. Ça fait partie de son droit, pour l'éduquer. Même principe là-bas. Vehem Omrim, et il lui disait... et du coup, tous ceux qui étaient à Yerushalayim, pendant qu'on lui brûlait, ils disaient « Makol Bazara, c'est quoi ce bruit qu'on entend de la Hazara ?» C'est-à-dire qu'en réalité, c'était réprimandé, le Lévi criait, il était fâché, il recevait beaucoup de bâtons, on lui brûlait son ksout, et il râlait à voix haute. Donc du coup, les gens qui étaient autour disaient « Quoi, c'est quoi cette voix qu'on entend dans la Hazara ?» Et ils se répondaient « Kol Ben Lévi loke ou Bgadav Nisrafin ?» Il y a un Ben Lévi qui s'est endormi et qui se fait frapper. Et du coup, on lui brûle même son vêtement, et c'est pour ça qu'on entend du bruit, parce qu'il est fâché. Chez Yachen Loal Mishmaro, parce qu'il s'est endormi alors qu'il devait monter la garde. Rabbi Elazar ben Yaakov Omer, Rabbi Elazar ben Yaakov raconte, Pa'amachat Matsu et Achi Ema Yachen, une fois,
Ils ont trouvé le frère de ma mère, qui était aussi un Lévi, Vesarfu et Ksuto. Il raconte qu'effectivement, ils lui ont brûlé son vêtement. Il y a une petite précision quand même intéressante, à savoir, si vous faites attention, on a parlé essentiellement Kol ben Lévi, le Lévi qui se fait frapper, le Lévi qui se fait brûler. Il y a une marloquette dans les Mefarshim, rapportée cette fois-ci dans le Tosotum Tov, je crois, qui nous une discussion, est-ce que les Kohanim eux-mêmes aussi devaient monter la garde? Ils devaient monter la garde dans les trois endroits. Est-ce qu'on était aussi sévère envers les Kohanim ou juste envers les Lévim? Parce que concrètement, les Lévim, c'est essentiellement leur travail essentiel, c'est de monter la garde. Monter la garde et s'occuper d'ouvrir les portes et fermer les portes. Tandis que les Kohanim, ils ont aussi d'autres fonctions à part monter la garde. Alors, c'est vrai qu'on leur demande de monter la garde, mais peut-être qu'on ne va pas être aussi strict envers eux, au point de les frapper ou de leur brûler le vêtement. Il y a une petite marloquette entre le Barthénora et les Mefarshim, ils expliquent qu'ils prouvent que c'est pas comme ça, et qu'ils n'étaient pas frappés réellement les Kohanim. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov, vous savez.